Bonjour et bienvenue sur My Parallel Prod. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Doris. Bonjour Doris, nous avons Pierrick. Dis bonjour à la facecam, Pierrick. Hello, hello. Hello. Alors voilà, on se retrouve lors de notre week-end paranormal. Nous sommes près d'un... on est venu visiter cet hôtel, le fameux hôtel Zoom, que l'on voit un peu partout sur YouTube. On va déjà faire un petit repérage aujourd'hui, repérage de jour, pour voir un peu le lieu. Bon, je ne le connais pas du tout, toi non plus, non, je crois. Non. Tu l'as jamais vu, donc on va vraiment le découvrir ensemble. Je vous invite à venir avec moi. C'est parti. Oh. Sur YouTube, on peut voir cet hôtel sous différentes formes. C'est vrai qu'il y a des vieilles vidéos qui tournent sur YouTube où on le voyait en bien meilleur état que ça. Maintenant, c'est vrai qu'on arrive un petit peu tard, je pense. On aurait dû visiter ce lieu il y a à peu près un an et demi, deux ans, je pense, pour avoir quelque chose de vraiment intéressant. Là, je ne sais pas du tout ce qu'on va découvrir. Je me suis fié vraiment à quelques infos sur le net. Bon, à mon avis, ça va être chantier. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Pierrick? Ouais, ça sent le biscuit. Ça sent le biscuit. Ça sent le biscuit. On est parti avec juste une SPB 11 et le même metteur, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, on a juste pris ça. Voir déjà si le lieu est praticable ou non, dangereux ou pas. On va faire un peu le tour. Je vous propose de monter déjà tout en haut. Et on redescend tranquille. S'il y a du bruit un petit peu, ça sera deux personnes qui tirent à l'airsoft tranquille derrière. Ils font des petits essais, donc rien de paranormal, c'est de l'airsoft. Ah, c'est joli. Alors on peut voir qu'on a un deuxième bâtiment derrière. On dirait un peu comme une cour en fait. Hein. C'est les grandes pièces. C'est assez calme quand même, il n'y a pas de bruit, ça c'est bien, la route est assez loin. Oh, c'est flippant, ouais, le couloir là est un peu spécial. Il est bien placé le dessin. Ouais, le dessin, ouais. On le verra pas là à la caméra, mais... En fait, on aperçoit au fond une silhouette peinte assez démoniaque. Ok. Bon, c'est un peu partout pareil, je pense. Hein. Alors, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce lieu, si ça vaut le coup de faire une investigation ici. Est-ce que vous m'entendez? Alors voilà, je m'appelle Mike, je suis avec Pierrick et Doris. On est venu visiter ce lieu. Si vous m'entendez, est-ce que vous pourriez vous manifester en vous rapprochant de l'appareil qui est au pied de Pierrick? C'est un simple appareil avec une antenne qui captera votre passage. J'ai ici une radio, il est possible que je puisse vous entendre si vous parlez assez fort proche de moi.
Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Donc, au moment très peu de la réaction, c'est plutôt calme. Après, on essaye un petit peu de voilà comme ça. On va essayer ailleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de l'appareil? C'est ici, près de Pierrick et Mike. Je cherche juste à communiquer, à prendre quelques messages, si vous le désirez. Pour ce faire, il vous faut un premier contact. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Je vais répondre par oui ou par non. Salut! Bonjour! Est-ce que vous allez bien? Vous savez, c'est moins bruyant, mais ça filtre beaucoup plus. Au final, ça filtre vraiment, vraiment. Donc, justement, ça vient par la main de l'œil. Alors, il va falloir faire baisser. On peut les entendre. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Vous serait-il possible de toucher l'appareil qui est au sol, vous rapprocher cet appareil qui fera de la lumière. Il fera de la lumière si vous vous en rapprochez. C'est pour savoir si vous avez bien compris ce que je vous dis. Je vous invite à vous rapprocher. Beaucoup de mal à vous capter. Thank you.
Donc voilà, nous nous trouvons sur le toit de l'hôtel Zoom, le toit de l'aile de la première aile. Alors on l'a vu, on a juste monté un peu les étages sans trop s'y attarder, toutes les pièces se ressemblent. Je sais pas ce que tu en penses, toutes les pièces c'est un chantier. C'est, en fait. C'est un gros chantier même. C'est un gros chantier, il n'y a plus rien au niveau mobilier. Apparemment, ce matin, Nathalie nous disait que ça avait été transformé en hôpital psychiatrique. À un moment donné, ouais. En parlant d'ici. Hein. Ouais. Ouais. Par contre, je ne recommande pas du tout à des jeunes qui aiment l'urbex de venir ici l'âme de nuit, parce que vous voyez au troisième étage là, il n'y a aucune barrière. Entre ça, les trous. Il y a pas mal de trous et là on a bien 7-8 mètres. Hein. Je dis 8 mètres, on est peut-être plutôt plus proche des 10. Et c'est très glissant quand il pleut. Donc voilà, ça reste quand même un lieu assez dangereux quand même. Je sais pas si on va se rendre compte dans la caméra de la hauteur. Mais ça reste quand même très dangereux. Non, il y a des guêpes. Il y a des guêpes. Je parle à des présences, mais la peur des guêpes. Non, je suis allergique. Okay. Tu n'es pas allergique aux présences. Non.